Allez, une petite vidéo rapide en cette fin de soirée. Vous trouvez pas que Véran et Castex, ils ont un petit peu grossi ces derniers temps? Donc, je sais pas. Les soucis, les fait devenir des bons vivants peut-être, je sais pas. Je trouve qu'ils sont un petit peu grossis, quoi. Je sais pas. Comme je dis, ils sont plus supposés être là. Normalement, à mon avis, pour moi, ils sont plus sur le territoire français. Je le redis encore. Et puis aux États-Unis, on essaye de réveiller la population, quoi. Donc, il y a un épisode d'un dessin animé américain pour adultes qui a plusieurs saisons. Ça fait des années qu'il est là, qui est sorti hier soir. Et là, on parle du mouvement des complotistes. Alors là, apparemment, j'ai vu des extraits toujours en regardant tous ces comptes auxquels je suis abonné, n'est-ce pas? Et quasi, enfin, toute la théorie du complot, elle est exposée. Et apparemment, juste après que l'épisode ait été diffusé sur le moteur de recherche préféré mondialement connu, n'est-ce pas? Apparemment, le taux de recherche pour la théorie des complotistes a augmenté apparemment de plus de 25% juste après que l'épisode se soit terminé. Donc on essaye de réveiller la population américaine pour leur faire comprendre que la théorie du complot, elle existe bien, quoi, quelque part. Terme inventé par l'agence aux trois lettres, qui, dans son sigle actuel, n'a plus États-Unis d'Amérique. Sous le sigle. Bon. Après, effectivement, si vous êtes dans la théorie du complot, vous savez pourquoi. Mais bon, je dis ça, mais je dis rien, comme d'hab. Okay. Donc, je sais pas, il semblerait que. Bon, je vais terminer comme ça, donc je dis, comme... il semblerait que les hommes politiques français se portent bien, qu'ils grossissent, quoi. Certains, 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 certains. Okay. Je sais pas, soyez du Cuba, je sais pas, je dis rien, je dis plus rien. Allez, allez, à la prochaine, au revoir.